Pour moi, là, le jeu techniquement parlant, c'est le nouveau standard graphique pour les jeux, tu vois. C'est. Putain, où est-ce qu'est la clé? Mais oui, je sais qu'il y a une cellule qui est pétée, hein, je m'en rappelle de l'époque. Après, où? Ça aussi, il me semblait bien qu'on pouvait ouvrir cette porte, mais je crois qu'on peut l'ouvrir de l'autre côté. Je vais trouver. Attendez, là on est où? On va bien fouiller. Pour l'instant, je suis pas trop dans la merde, j'ai encore au pire deux gros heals. Donc là, ça c'est la meuf qui vend les gros items. On va lui reparler, elle vend quoi par hasard? I've known better days. Voilà, dans mes 1300 le heal quoi, s'il te plaît. Soigne la peste. Pièce. Peut-être. À vérifier, attends, à voir, ouais. Peut-être. Je continue un peu de faire fouiller. J'ai encore failli tomber dans le trou, putain. Donc, attends, on va donc par là. Il n'y a pas bien rien. Sûr que nos audiences sont 30%. Oh, j'ai pas suivi sur mon vieux. On est bien, écoute. Je m'attendais, en fait, en gros, sur du Demon's Souls pur, je m'attendais à avoir plus de monde. Mais, je vais vérifier un truc. Attends. Je vais vérifier juste un truc. En deux secondes, je vais le savoir. Ouais, d'accord, ok. Logiquement, en fait, en gros, c'est qu'une grosse partie de mon audience encore qui peut être là, tu vois, en neuf. Eh bien, doit regarder du haut aujourd'hui avec Shadowlands. Et donc, je suis très content qu'on soit une centaine de viewers quand même, alors que Shadowlands sort aujourd'hui, tu vois. Bah écoute, j'ai pas à me plaindre. Et sinon, tu veux pas faire un bouffer et fermer ta gueule, toi? Putain. Je te bannis dans ton sommeil. Alors, Iron Maiden. 1, 2, il y en avait 3, hein? Je sais plus. Attends, à quel point je reviens en arrière là? Vous me sentez un peu perdu aussi? Non, là il y en a 3, elles sont bien ouvertes. Regardez à l'avant. Ah bah, les chats doivent être en mode full backseat, hein. Bon, tu sais, après moi je banne, hein, donc bon. Mais oui, c'est. Enfin, après, ce sera du backseat indirect parce que bah, encore une fois, j'ai fait le jeu un paquet de fois, tu vois. Bon. C'est pas comme s'ils pouvaient me spoil quoi que ce soit, par contre. On peut me spoil. Attends, t'as dit ça, vraiment, je sais qui est le boss de fin, qui est le premier boss de fin, qui est le deuxième boss de fin, enfin, je me rappelle de tout, quoi. Il y a des boss, tu vois, j'ai oublié, par exemple, j'avais oublié, c'est vrai que j'ai oublié Phalange, j'avais complètement oublié le premier boss. Tu vois, j'avais vraiment, j'avais oublié le premier boss Phalange. Le deuxième chevet de la tour, je m'en rappelais très bien. Là, pareil, l'araignée, le gros gorille de feu, je m'en rappelle. Et le boss ici, je m'en souviens aussi, de mémoire, il est nul à chier. De mémoire, il est vraiment, vraiment naze, le boss ici. Le premier boss, en tout cas. Le premier ou le deuxième, j'ai un doute. Un des deux boss ici est vraiment nul. Faut-il, par contre, le plus dur, en fait, c'est de l'atteindre. Et voilà. A tout à l'heure, Aoud. Je n'ai rien demandé à personne de côté Backseat. Il est très chouette, Urzel. Ça nécessite une PS5, mais c'est le Souls original, quoi, pour faire simple. Et il est vraiment très, très cool. Pour moi, il a un seul vrai gros défaut. C'est vraiment le système de soins, tu vois. Qui va t'obliger à farmer, par contre. Que ce soit des âmes pour acheter des soins ou des soins sur les mobs, en gros, il faut que tu trouves un petit spot et voilà. C'est le vrai gros problème qui a été corrigé directement avec un Dark Souls, là où ils ont... Ah oui, attends, ici. 1, 2, 3, tout à fait. Bien vu. Merci. Ça donne quoi, ça? Bon, c'est une âme. T'avais raison, mais ça ne met pas les bases. Mais effectivement, bon, au moins, j'ai retrouvé tes 3 trucs. Ou alors ça se trouve un truc qu'il me faut pour avancer et sur les mecs qui pendouillent. Pas de soucis, t'inquiète, t'as pas d'excuser déjà que ton information en plus était bonne, c'était pas une info de chat. Là ça me fait redescendre, on est bien d'accord. Je fais un peu frais, non Lucas, t'en penses quoi? C'est peut-être moi. Hein. J'ai les mains un peu fraîches. Bon, je vais pas tarder quoi, je crois que j'allais prendre des bûches. Quand je referai la pause, je pense que je prendrai des bûches et...
Et j'étendrai mon linge. Je pense pas pour les mecs en hauteur, t'imagines sur leur arc pour avancer. Hein. C'est vrai. Ça me semblerait étrange aussi. Ouais. Putain, je sais que j'ai pas ta clé, toi. Putain. C'est tout ce que je veux faire ici, libérer Zek. Après, on continuera, mais si j'ai Zek. Aïe, 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 on va pouvoir faire les belles choses. Hein. L'épée de magie, les gars, c'est un délire. Hein. En plus, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique visuellement, l'épée en mode magie. Ouais, je tourne en rond sévère là quand même. Hein. Pas trop. Attendez, où est-ce que je peux aller? Après, j'ai rempli au coup de soin. Est-ce que je reviendrai pas à la base en vrai? On va essayer de. Je vais me rediriger vers le Nexus. Je crois me rappeler où c'est. Je re-explore sur le chemin, vous voyez, les trucs que j'aurais pu louper. Histoire 2. Bon, allez, on va tomber. Histoire 2. On refait les trucs sur le chemin. Tiens, la PS5 qui se réveille. Pourquoi? Il y a un système de classe, oui. Tu as une dizaine de classes différentes, mais après, elles ont un impact. Elles ont un gros impact par contre au début du jeu, Urzael. C'est-à-dire qu'en gros, sur les premières heures de jeu, elles ont un impact majeur, le choix de ta classe. Mais vraiment majeur. Que ce soit vis-à-vis de. En fait, vis-à-vis du stuff surtout qu'ils vont te donner. Par exemple, tu as des classes complètement pétées par rapport à d'autres. Rien du tout, Outdoor, c'est pas bien méchant. Si ça avait été méchant, t'aurais pris un bad life. Tu sais, moi, je suis soit sur un mini-ban temporaire pour dire en mode foutez-moi la paix, mais sans méchanceté. Ou c'est du bad life. J'ai pas de demi-mesure, toi. C'est rare les bans d'une heure ou autre. C'est que pour Pulky quand il casse les couilles. Hein. Ou Zarkiel. Bonjour Tartik. Comment vas-tu? Je te vois plus trop en ce moment. T'as atteint ta saturation de ma grande gueule ou plutôt envie de voir des personnes plus gentilles ou plutôt plus haut? Je suis curieux. Et salut GeoGeo, comment ça va aussi? Ou t'es peut-être plongé sur Valhalla? Je me dis aussi, c'est vrai que t'aimes beaucoup Valhalla. Ah bah. Ah bah non, je pensais. Putain, je pensais à retrouver, pas du tout. C'est pas là le début? Ah, par contre, j'aurais cru que le début était là, ouais. Ce qui me semble. Après, c'est vrai que là, dans les cellules pétées, au final, j'en ai déjà trouvé. Allez, à la pierre. Bon, on va revenir au Nexus, on va aller farmer un peu de. On va aller farmer un peu de soins. Fais ça, là, j'ai eu l'autre cul d'un. T'as pas trop aimé? Ça marche, Tartik. En gros, il y a peu de chances que je puisse te spoil quoi que ce soit, donc en gros. Pour faire simple. Quand j'y rejouais. Il y a les. Attends. What? Oh putain, skill up. Il a sorti sa review de Godfall, il lui chie dessus, je crois. Godfall était encore pire que ce que j'en attendais. Oh. C'est ça son titre. Qu'est-ce qu'il a... Bon, et par contre, il a fait une vidéo d'enculé, hein, 34 minutes. Hein. Elle est même encore plus longue que celle de... Parce qu'il a détesté Valhalla aussi. Il a pas spécialement aimé non plus Hades. bref. Mais au moins en 34 minutes, il a pris le temps de twitcher sur le jeu. Je regarderai la vidéo. Ouais. Je regarderai la vidéo à l'occasion. Généralement, non. Après, c'est vrai que je l'ai rarement vu aimer les jeux de farm. C'est ça. Alors, premier jeu de voiture, putain, reste. Voilà, tu vois, ça c'est mon petit spot. Et donc là j'en ai deux sur lui. Et c'est des descendants donc c'est pas les toutes premières pourries. Ah ouais? Moi je me rappelle de l'époque. C'est ça, et tu le recharges. Bon bah je ne suis donc pas un génie. Bah après, moi, je l'ai fait il y a 10 ans. Peut-être que j'étais un génie à l'époque. Et ensuite on m'a tout copié même si personne ne pouvait me voir. Ou alors c'est juste du bon sens de faire. Ça joue aussi. C'est vrai que là j'en ai eu donc 4 là et. Ouais, j'en ai 3 petits. Ouais, 7. Un run, 7 trucs. C'est. Et ça fait 1000 âmes en plus. Arcaï, je t'encourage à aller voir la vidéo.
Si la vidéo ne t'intéresse pas, tu peux unfollow la chaîne. Y'a pas de soucis. Que c'est là que tu me regardais que pour du WoW en vrai, donc ouais, être gentil. Ah bah. En vrai, même si t'avances tout le temps, le deuxième aussi il est pris. Hein. Mais bon, vu mes dégâts, honnêtement. Tiens, attends, regarde, je vais aller à deux mains sans backstab. Hein. Je pense qu'on puisse backstab à deux mains. Globalement, ils sont pas bien quand même, tu vois. J'ai regardé la vidéo et bah je dois dire que pour une fois, c'est une vidéo. Enfin, c'est pas une vidéo de rageux. Ah bah non. J'ai mal à. Je suis. Alors, y a rien de rageux vis-à-vis de la situation pour le coup. Hein. Dans le sens où. J'ai consacré 20 000 heures de ma vie à WoW, tu vois. Et en stream, j'ai streamé un peu moins de 4 000, un peu plus de 3 500 heures de WoW. Donc y a rien de rageux. Ça a cartonné pour moi. J'ai fait mes plus gros mois en termes de thunes. Dis-toi, à la sortie classique, en un mois et une semaine, j'ai fait 6 300 $ de générer. Générer. Ouais. D'ailleurs, j'ai quasiment pas touché grand chose bien parce que j'ai quasiment tout réinvesti. Et là, pour le coup, je l'ai mal réinvesti celui-là. Réinvesti dans le stream, hein, mais c'était pas un bon choix à l'époque. Bref. Mais. Non, Matt, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste que là, en fait, en gros, je reviens sur une zone que j'ai déjà fait. C'est jeu, imagine, je sais pas sur quel jeu, tu reviens sur les trucs bas niveau. Et après, pour le coup, mon arme est très forte contre certains mobs. Et elle est par contre faite contre d'autres. Hein. C'est une arme tranchante et elle a ses avantages et c'est les bons. Contre les humains, par contre, ça marche très très bien. Oui, je sais, c'est malade. Je rajoutais juste le truc. Hop, attendez. J'ai encore eu un autre type de... Oh, j'ai eu des herbes de la... Oh, nice. Ouais, c'est vraiment trop bien essayer de farmer. Tu t'enchaînes, en fait. Et c'est là le grand défaut d'Elemon Souls. Pour moi, c'est presque... Je dirais pas le seul défaut, parce que tout n'est pas parfait, mais... C'est le défaut principal. Deux ou trois fois pendant vos sessions, vous allez passer... Allez, 10 minutes. C'est pas passionnant. Ça roule, c'est chelou ça. Par contre, tu peux faire un retour en garantie hein, s'il fonctionne pas. C'est pas nos déballages, Tartique. Il y a deux solutions s'il fonctionne pas. Soit il est mal, soit effectivement c'est défectueux. Bah, dans ce cas-là, le DLC n'est plus rien, tu vois. Mais ils t'en enverront un gratos au direct. Le jeu de Bloodborne. C'est vrai que Bloodborne, j'avais dû farmer un peu aussi. Ça m'a cassé les couilles d'ailleurs à l'époque. Hein. Pardon? Il y avait un. C'était avec des fioles de soins, de sang, ouais, c'est un peu la même idée. Ouais, tu pouvais. Moi j'ai follow ta chaîne le jour où tu nous as fait un post sur l'arrêté de gagner en stream, transparence, c'est gentil. Bah en fait, ça pour le coup, tu vois, je le fais dès qu'on me le demande en fait, en gros. Parce que je sais qu'à ma connaissance, et je connais, je vous dis quand même, la majorité des gros streamers ou des streamers en fait qui gagnent leur vie avec le stream, je suis un des seuls à être aussi transparent ou être juste tout court, vraiment transparent, tu vois. Ferme ici, une heure, t'es fou. Bah c'est un peu ça, GeoGeo. C'est pas intéressant, mais il faut le faire parce que on a les fioles d'estus, c'est la meilleure idée qu'ils aient eu. Tu mets le même jeu avec les fioles d'estus, le problème c'est que ça entraîne les gardiens de feu, etc. dans l'or, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Après, est-ce que ça a du sens que les... Voilà, mais c'est... Voilà. Et c'est le défaut du jeu. Globalement, c'est pas un défaut dramatique. Parce que en vrai, il y a plein de jeux où tu vas farmer des potions. Il y a plein de jeux où tu es obligé de farmer tes soins. Sauf que là, c'est vrai qu'il y avait ce spot. Bon, j'en rappelle de l'époque. Et il était bien à l'époque. Il y a un brave fantôme, ouais, j'avoue. C'est un de mes immigrés. Dès qu'il y a une couille, généralement IRL, j'ai toujours quelqu'un chez moi. Alors, comment vas-tu, le brave fantôme? Allez, j'en refais un coup. Là, on commence à être pas mal. À 14, 6, 5, on commence à être pas mal. J'étais surpris et mis en mal justement de te voir sur une photo Insta d'une streameuse. K.O. Bah, non, mais il y a le confinement, ciao. Non, c'était pas dans les codes Twitch. Hein, c'était à la Paris Games Week à l'époque où on était amis. Il y a fort longtemps. Logiquement, ça va être une vieille photo. Ça m'étonnerait qu'elle l'ait republiée. Ça m'étonnerait très fortement. Et oui, effectivement.
C'est une autre époque. Alors. Ok. T'as expliqué pourquoi depuis ou pas? Est-ce que ça te regarde? Je joue sur un vidéoprojecteur à Oud. Je me fais un petit kiff. Je joue sur un grand projo. Alors Matt, par contre, hein, je vais te le dire tout de suite, si tu peux, si on peut, bon, je comprends, hein, mais il y a une raison pour, il y a des raisons pour lesquelles je ne suis plus en contact avec cette personne, et ça me va très bien qu'on n'en parle plus, tu vois. Voilà. En toute, tout n'est pas mignon. Si j'en avais une, je testerais avec un immense plaisir à haut sur une télé 4K, mais il me reste 200 balles pour finir le mois, je vais donc pas acheter une télé 4K. Bah ça tombe bien, ça concerne l'IRL donc ça ne le changera pas. T'as déjà essayé de jouer à un vidéoprojecteur, un jeu du genre Rock Squadron? Oui, je jouais à Elite Dangerous pour le coup sur vidéoprojecteur en 2015-2016, c'était très chouette. Mais néanmoins j'ai préféré mon expérience sur Elite Dangerous sur un écran ultra wide à 34 pouces. Ah j'en doute absolument pas Raoud, pas du tout. J'en doute absolument pas, Raoud, mais encore une fois, sauf si tu veux faire un don de 1000 euros que je n'utiliserai pas pour une télé 4K, mais pour être tranquille financièrement. Voilà. Et bonjour, coach Mike. Il n'y a pas de souci, Matt. C'est normal, j'ai fait en sorte de faire disparaître toutes les choses sur YouTube ou autres, tous les événements que j'avais. En fait, en gros, c'est pas que vis-à-vis d'elle. Hein. J'étais un streamer WoW très récurrent à l'époque et j'ai fait disparaître tout ce qui était en rapport avec... les streamers et streameuses de qui sont proches dans 2017, 2018 et 2019. Tout a dégagé de YouTube, de Twitter, mon compte Instagram pour le coup et je n'arrive pas à le supprimer, j'ai toujours pas trouvé comment le supprimer donc. Mais je ne l'ai pas demandé, je veux dire que tu me dis que c'est, est-ce que c'est une télé 4K, j'en doute pas tu vois, mais comme je t'ai dit je peux pas tester, j'ai pas de télé 4K donc je ne demande rien hein. Dans tous les cas voilà, si là maintenant tout de suite un mec me fait un don de 1000 balles, je ne l'utiliserai pas pour une télé 4K, je l'utiliserai pour être tranquille financièrement. Voilà. Eh ben, félicitations à toi, George. Je checkerai la tasse, ça marche. C'est noté. Je regarderai ça. Merci pour l'information. Allez, un last. Taraf, c'est le bon téléphone avec le proc, un config que tu lui as fait, d'accord? D'accord. D'accord. Comment ça le tien ne sert pas? Je comprends pas par contre. T'en as deux, attends. Dans la config que tu m'as fait, j'ai le Be Quiet Pure Rock 2, ok. Et qui a le même proc que moi. Alors, non mais ça qui fasse le taf, je comprends bien, mais. Toi, ton. Il est refroidi par quoi maintenant ton processeur? Pas mal, écoute. Ça pas mal du tout. Hein. Suite. Pour moi, Demon's Souls, c'est le plus accessible de tous. Après, sinon, c'est les Souls, c'est. Le 3, tu dirais, toi? Peut-être le 3. Le 3, l'avantage c'est qu'il est quand même plus dynamique donc ça peut aider. Bah allez, on se casse. Ouais, là je suis bien côté herbe. Je suis très 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 bien là côté herbe là. 36, 8. Là on est. Là on est bien. Ok. Alors. Enfin, monter un peu la vita. On va monter un peu la vitalité. Parce que là, c'est un peu la merde côté non, T1 en force. Ah, je peux gagner un niveau avec ça. Oh putain, on va monter vraiment la vita. Ah, mais 30 points de vie par an, c'est beaucoup, ouais. Presque 10% de points de vie. Ah, 2 ? Ah non, 2. Ok. Ah, mais non, okay. Ouais. Ah, ouais, c'est pas évident, hein. La prison, elle est pas évidente du tout. Tu vois, là, je suis sur le boss 2-2. Après, on dit, je me dis que là, je pourrais peut-être le battre maintenant, comme ça. J'ai du soin. Vas-y, on va retourner le faire. On va essayer. Ok, on finit par le Be Quiet. Il me restait l'entière. Ah, d'accord. D'accord, j'avais compris l'article. Ok, ça marche.
Ça marche. Ouais, je fais une pause à 16h. Ça roule, ça roule, ça roule. Bon, on va retourner essayer de faire le boss. Écoutez, sans buff magique, tant pis, c'est pour les connards. Oh putain, regardez les dégâts. Vous avez vu ce qu'il m'a fait avec un coup de pioche? C'est fou, hein? C'est un délire. Putain. Il m'a enlevé après 80% de points de vie avec une baffe, le mob. Un mob de merde, hein, celui-là. Ok, allez, c'est bon. Maintenant, faut juste tomber correctement. On a bien dit tomber. Ah. C'est une très grosse pioche, mais ça fait très très mal. Ah, mais j'aurais pas le droit à l'erreur. Hein. Et le problème, c'est qu'il me faudrait plutôt un soft, tu vois, un peu résistant au feu. Mais, je crois pas en avoir. Je fais la gueule du boss. Après, là, au moins, je suis en... Avec des rolls pas dégueu, ce qui va aider quand même en tout cas. La bonne nouvelle au moins là, c'est qu'on va avoir des rolls pas mal. C'est un peu en fait, non? Oui, énormément cash. Oui, oui, ça pour le coup, oui. C'est déjà... Le jeu est très beau, mais c'est vrai que sur une télé appropriée, c'est autre chose. Clairement. Encore une fois, par contre, faut avec une native 100 Hz. C'est globalement minimum 800-900 balles. Allez. Belle la salle. Bon, ok, donc attendez. En fait, il fait une explosion après, c'est ça qui me pèse à chaque fois. Merci Mike, merci beaucoup. Putain. J'arrive pas à passer pas terre. Merci beaucoup Mike pour ton 15e sub offert ici. Qui est pour Fandorandil. Fandorandil. Ah non, mais le boss est très très fort, hein. C'est un vrai problème hein, là pour moi. Ouais, est-ce que je pourrais. Asobura, tiens, je sais pas si t'es là, tu l'as fait quand toi le boss? T'as fait comme moi 1-1-2-1-2-2 ou pas? Parce qu'après je sais que le boss du 3-1 est pas très dur. Enfin, si je me trompe pas encore une fois. Mais là, c'est vrai que le boss du... il me met des... Il met quand même des tatins... Là, il m'a quand même one-shot, quoi. Enfin, c'était une attaque en deux par en deux coups. Enfin, deux effets, je sais pas comment dire ça. Mais bon, je me fais quand même bien éclater du cul, quoi. Bienvenue en tout cas à Fandorandil et merci beaucoup à toi, le coach Mike, pour ton 15e sub offert. Merci, merci. Ça me semble haut là. Ouais, ouais, c'est là, c'est là, c'est ça. Y'a un lézard là qui s'est barré, non? Ok, attendez, il est où le. Ah non, c'est là-bas, c'est vrai. Ou pas. Je suis mort. Elle est morte par enchaîne. C'est parce que le bris. Oh là, trop de questions, GeoGeo. Mon héros n'est pas un fantôme, c'est juste qu'il est mort. Les trucs rouges au sol, c'est les messages et les taches de sang qui montrent la mort des autres mobs. Non, non, je vais retourner à. Je pense que c'est trop tôt pour lui. Je vais retourner à. Je vais retourner à. Je sais pas ce que je vais dire. À 3. Parce
que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le gérer, hein, le boss. Et après, lui, c'est vrai que c'est mieux de le bloquer, mais bon, j'ai pas envie de le bloquer, quoi. C'est vrai que quand tu bloques, il devient beaucoup plus trivial, hein, mais bon. J'aime bien être à deux mains. Bon, on va retourner à la prison. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans la prison? Foutez-moi la paix, vous. Parce que dans une prison, donc, les mecs, ils ont des surins, quoi. Ça se pète pas, hein. Non. Pitié au secours. On arrive, on arrive. Ça ne s'ouvre pas. Il a bien augmenté depuis hier. Ouais, j'ai beaucoup galéré, en fait. Donc là, en gros, donc, vous avez 5 mondes. Donc quand vous m'entendez dire 1, 2, 1, 1, tout le bordel. Coucou. Faut arriver. Voilà. Quand tu m'entends dire 1, 2, 1, 1, etc. Donc en gros, ça va faire... chaque monde a plusieurs parties. Donc par exemple là, et donc chaque partie est ponctuée par un boss. Ok. Donc là par exemple, j'ai donc fait 3 boss. J'ai fait le boss du 1, 1, monde 1, niveau 1. Le boss du 1, 2, monde 1, niveau 2. Et j'ai fait le boss du 2, 1, monde 2, niveau 1. Ok, là c'est clair pour tout le monde. Voilà. Et donc là, je suis sur le boss du 2, 2 qui me bloque un peu. Faut soit que je trouve les patterns, le problème c'est que c'est vraiment chiant d'y retourner, c'est loin. Ou en tout cas j'augmente un peu ma résistance, ou au pire j'arrive à faire avec un bouclier et puis tant pis. Il y a en moyenne 4 niveaux par monde de mémoire, avec des variantes, et tu as 5 mondes. Ah c'est un arc que je voulais prendre, putain, il n'y a pas de choix de rendre pour l'arc. Faire tomber les loot, en fait, faut un arc. Peut-être. Je sais pas si ça marche après, par contre. Ouais, j'ai compris, mais on va voir, on va tester. Ah bah oui, et puis en plus, la première run n'est que le début, tu vois. Ah, ça ne les a pas. Tiens, intéressant. Ok, alors. Alors si mes yeux le mentent, peut-être faut tirer sur la chaîne, mais là je pourrais pas. Alors là je suis à la... Attends, là c'est plus haut possible. Mais ça monte pas plus haut, non. Nope. Nope, Gangnam Style. Faire un gaffe, à tout moment il y en a un qui fait un petit coup de sur... Lire le message, faites appel à la force brute. Mais non. Mais... Putain, c'est où? Oh tiens, t'es... Je l'ai même pas vu lui. Bah non, attendez. Ah non, putain. Nul. Voilà, enfoiré, va. Ça c'était bien de faire monter. Vise les pieds. Non, non, j'arrive pas à monter. Hein. Il me faut un arc. Voilà. Là j'ai rien raté ici. En fait là, en gros, dans cette prison, il y a une putain de clé quelque part qui permet d'ouvrir la porte d'un sorcier qui est emprisonné. Ce sorcier est très utile pour la suite de l'aventure. C'est... Je savais pas qu'il y avait des connards avec des bâtons. Par contre, ils étaient à deux dans une cellule avec une couchette. Aucun. Allez, petite couchette en plus, hein. Et en bois. Pas ouf la prison quand même, hein. Pas ouf, ouf, hein. Avec un matelas même de base. J'avoue que le bois, au bout d'un moment. Dur, hein. Putain, je ne pas. Regardez l'écran, il faut que je regarde l'écran. Il dormait en boîtier, c'est ça. Il joue au Lego. C'est ça, c'est ça.